ça me fait filer. Tu prêtes par là où tu veux dans le temps. Le bouchon, voilà, hein, après le passage de vitrine, vous voyez que la brosse, elle connaît, on y va allègrement. Voilà. Le peignage de la crinière. On est à l'âge où les crins du poulain qui ont poussé de manière totalement hirsute, donc complètement à la verticale, ben avec la longueur qui vient, commence à tomber. Donc on a un peu des crins qui vont dans tous les sens, mais c'est tout à fait normal. Après, avec la longueur, le poids de la crinière fera que ça se mettra soit à droite, soit à gauche. Mais a priori, elle est bien partie pour avoir crinière à gauche. Voilà, voilà. Et donc ben, on voit le côté un petit peu imparfait de la crinière sur ce moment, mais c'est tout à fait normal. Il y a encore des crins qui tiennent tout debout. La prise des pieds, donc on fait ça à deux, un qui tient à la tête, voilà, très bien, oui, ma fifi, voilà. L'important c'est de prendre, on peut accepter qu'il y ait des mouvements de moulinette, c'est tout à fait normal, on tient sans bloquer et on repose dès que c'est bien. Super, ça ma fille, c'est bien. Derrière, pareil, là, ma louloute, on caresse le bord du ventre. Oui, ma fille, c'est bien, ça c'est super, voilà, oui, ça c'est très très bien. Super, ma fille. Voilà, donc dans les choses, bah, une fois que le poulain est bien confiant, qu'on peut faire également, mais auquel Nora est habituée, c'est le toilettage de la barbe qui se fait avec une tondeuse de finition. Donc voilà, pareil, toujours poulain pas attaché. Hein, on veut simplement qu'il reste avec nous. Voilà. Et comme vous le voyez, ce passage de tondeuse sur, bah, pour faire les poils disgracieux du menton, se fait sans aucun problème. L'intérêt également de bien entretenir ce dessous, donc le dessous du menton, où il y a beaucoup de grands poils qui se mettent, c'est qu'on arrive, c'est un endroit dans lequel les tiques vont fréquemment se